bonne journée de travail. On va aller un petit peu miner. Tac. Et de la pierre. J'avais vu une petite mine par là. Arbre épique. Elle est là. Elle est là. Alors, ah, il y a une petite araignée. Pourquoi il y a des... What? Plaque de pression. Oh, un passage secret. Oh, alléluia. Comment on fait pour sortir? Ok, d'accord. Wow. Yeah. Allez, salut à toutes et à tous, c'est ZSkill38 pour une petite vidéo, un tuto, pour un passage secret. Donc vous l'avez vu au début, petit passage secret indétectable. Si vous le cachez, pareil dans une grotte, là c'est une grotte artificielle, mais si vous trouvez une grotte comme ça avec un cul-de-sac et sans minerai, ou alors vous les ramassez, vous mettez la plaque de pression, je vous montrerai, et elle est indétectable. Voilà, le mec qui va venir là, il va dire voilà, il n'y a rien. En plus vous allez mettre des torches. Est-ce que vous, franchement, vous voyez la plaque de pression là? Vous la voyez? Là, franchement, vous la voyez là? Hop. Donc voilà. Alors, je vais... Hop, donc une petite sortie de ma part. Voilà. Donc, je vais vous montrer le tuto. Hop. Alors, ça c'est notre trou. On veut tomber dedans. Et en même temps, si je prends pas les objets. Donc pour ça, il vous faut un certain nombre de tout ça. Voilà. Donc, on veut tomber là-dedans. Pour pouvoir sortir ici. Donc ce système est très pratique pour les verticales. Donc on peut aller comme ça. Mais pas la horizontale, donc on peut pas faire comme ça, avancer. C'est que tomber. On va commencer. Alors, pour le premier truc, on pose... On pose, oui, excusez-moi. On pose un bloc à un carreau d'écart du trou, où on veut tomber dedans. Une redstone en dessous. Un autre bloc au-dessus. Et c'est là où il y aura la plaque de pression. Alors après, on prolonge. Un repeater ici. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Et là, un repeater. Donc pour l'instant, ça c'est le début. Et on veut toujours tomber là-dedans. Donc, on met deux blocs comme ça. Donc, plaque de pression. Qui va activer les deux. Avec un inverseur. Donc le rôle d'un inverseur. Ça éteint une torche. Quand on envoie du courant derrière. Je vais y arriver. Voilà donc. Les torches sont éteintes. Après. On prolonge. On se met là. Oui, j'ai cheaté, hein, c'est pas pour avoir les objets. Donc, là, on fait une boucle. 1, 2. Et maintenant, on va placer les pistons. Donc, un piston pour rétracter le piston qui sera... qui pousse pas... pardon. Qui poussera
le bloc en haut. Donc il rétractera lui. Donc. Oh. J'ai fait un sourire. Lol. Alors, voilà. Non, je suis trompée. Excusez-moi. Légèrement à côté. Après, donc. Ah, pardon. Je vais un petit peu trop vite. Voilà. Alors, là, donc ce piston va pousser ce piston, qui lui va être activé par... c'est pour une sécurité. Qui va lui et va être activé par cette redstone, qui va pousser en l'air. Donc bon bah vous allez voir, hein. Voilà. Donc en gros le bloc il va être là. Donc si on désactive ça ne marche pas parce que lui il est étendu. Donc il faut... non pardon, c'est un mauvais exemple. Donc là, ça désactive juste lui parce que lui il est trop tôt. Il se rétracte trop tôt pour tirer ce piston. Donc on va retarder de 3 je crois. Non, de 2. On va retarder ce piston pour qu'il tire quand lui sera... On va retarder lui pour qu'il tire lui quand il sera rétracté. Donc voilà, donc ça c'est opérationnel. Maintenant, il faut enlever cette pierre parce que là, vous imaginez bien. Là, je peux pas aller dans le trou. Il y a une pierre bloquée. Enfin, qui bloque. Donc, pour ça, il nous faut ceci. Pour l'instant, je désactive. Voilà. Donc, la pierre se retrouve ici. Voilà. Donc, le piston va devoir être activé par l'inverseur. Enfin, va être activé par l'inverseur. Donc, il va rester comme ça. Et quand on va appuyer et que ces deux-là seront en bas, eh ben, il va enlever la pierre qui est encore là. Donc, voilà, il va faire ça. Quand la pierre sera descendue grâce à ces deux pistons. Maintenant, on relie tout ça. 1, 2, 3. Et lui aussi, il faut le retarder à fond. Voilà. Par contre, voilà. Donc, votre passage secret est opérationnel. Voilà. Donc, en gros, ça désactive tout ça. Pardon. Là, ça désactive jusque là. Là, là, là. Donc en premier, ça désactive lui qui descend sur ici, qui descend. Le bloc va descendre avec lui. Puis en deuxième, c'est lui qui se désactive, qui va tirer ce piston-là ici. Donc qui va laisser la place au trou qui est en dessous. Et comme il reste encore la pierre, lui en dernier va se désactiver et enlever la pierre qui est ici. Donc, j'ai pas de quoi le mettre au ralenti, mais... Attendez, je vous ai laissé un truc. D'accord. Donc, voilà. Petit... passage secret, bien sympa. Je pense que c'est moi qui l'ai inventé. Enfin, je pense parce que... Toujours, il y a des gens qui vont dire plagiat, plagiat. Mais je pense que c'est moi qui l'ai inventé parce que je l'ai pas vu spécialement. J'ai cherché pourtant et je l'ai pas vu spécialement. Donc bon voilà. Donc je vous remontre opérationnel. Ah, attendez 2 secondes. Voilà. Donc, la plaque de pression ici.
marche dessus et ça l'ouvre. Voilà. Bah c'est la fin de ce tutoriel sur assez rapide mais très efficace, je pense. Sur comment faire une cachette secrète. Je vous dis à bientôt. Et voilà. Comment dire. À bientôt. Oh, je vais arriver, hein. Vous inquiétez pas. À bientôt. Dans la prochaine vidéo. Enfin, pour la prochaine vidéo. Fight. Eh ben oui, voilà. Commentez, partagez, aimez et abonnez-vous si ça vous plaît la chaîne. Dites-moi des... Proposez-moi des améliorations sur ma chaîne, donc parce que je sais qu'elle est pas parfaite. Des petites améliorations, ça serait sympa. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on va super vite avec ce pantalon. Donc voilà. Allez, ciao les gens. Yeah,